Bonjour à tous, à toutes. Alors, on va faire un petit tirage pour les couples pour savoir ce que l'autre pense de vous. Alors, vous avez le choix entre une labradorite un petit peu grise, je vous montre ses reflets. Ok, donc concentrez-vous bien, choisissez la pierre qui vous plaît, la deuxième labradorite un peu plus foncée. Je vous montre aussi ses reflets. Voilà, donc videz-vous l'esprit, ne pensez à rien, mettez-vous à l'aise et concentrez-vous sur le tas qui vous parle le plus. Et on va choisir, enfin on va y aller. Alors, pour celles et ceux qui ont choisi le tas numéro 1, donc avec la labradorite grise, c'est parti, il y a beaucoup de cartes, on va voir ce que l'autre ressent donc pour vous. Alors si... Ça s'adresse plutôt au couple. Je ferai un tirage pour les célibataires parce que là, j'ai vraiment interrogé les sentiments d'une personne envers vous. Mais je vais faire un autre tirage pour les célibataires, pour interroger vraiment les célibataires. Ok? Donc on y va. Alors, vous avez... Soyez l'un avec l'autre tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Donc je vous la mets ici. Vous avez un message des anges, donc de l'archange Uriel, une magnifique transformation, pardon, une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Très beau message. Alors, vous avez, donc j'ai pris un nouveau jeu. Que j'ai pris le temps de purifier, de m'accaparer un petit peu. Ça s'appelle l'oracle des rêves de Gaïa. Donc vous aurez un message de votre subconscient avec celui-ci, un message des anges avec le tarot des anges de Dorine Virtue. Donc ici vous avez le 4 de terre. Le 4 de terre, il parle de quelqu'un ici qui en fait. Alors, je dirais prudent, qui avance lentement mais sûrement, en fait. Cette personne, elle avance lentement et sûrement. Elle a... Alors, je dirais qu'elle est... En fait, elle est régulière. C'est, pour moi, elle évoque la force tranquille, en fait. C'est un pas à la fois. Il y a peut-être des peurs et des doutes. C'est une personne très prudente, en tout cas. Ici, on vous dit avec cette carte que la personne prend le temps de se reposer, elle prend le temps, pardon, de se recharger, mais elle n'hésitera pas. D'accord? Elle avancera. Elle avancera avec vous parce que cette carte parle d'un bon résultat. D'accord? Enfin, il y a un bon résultat. C'est quelqu'un de stable, c'est quelqu'un qui est dans l'engagement, mais qui avance lentement, mais sûrement. Ok? On a ici quelqu'un de persévérant. Avec le 4 de terre, on a quelqu'un qui est persévérant, on a quelqu'un qui est peut-être un peu stoïque. Moi, j'ai la sensation que c'est quelqu'un qui ne parle pas beaucoup. On va voir ce que nous disent les autres cartes. Vous avez la libération, une arcane majeure, avec le tarot des anges de Dorine Virtue. Donc, une phase où une situation connaît son dénouement, transformation spirituelle, l'heure est venue de passer à autre chose. Alors, quand on dit passer à autre chose, c'est tout simplement un nouveau cycle. D'accord? C'est laisser la place au nouveau, se libérer de l'ancien. On va voir après, on va compléter. Ici, vous avez la transformation avec l'oracle de Gaïa, la déesse de la création. Donc, transformation, créativité, intégrité. On a encore une notion de transformation ici. Ensuite, vous avez la pensée avec l'oracle G. C'est bien quelqu'un qui a les pensées, c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, j'ai l'impression. C'est quelqu'un qui pense à vous, qui pense au futur, qui pense à créer quelque chose, à transformer peut-être votre vie. Mais alors avec l'oracle des amoureux, je pense que c'est quelqu'un aussi qui a besoin de temps, qui a besoin de...
de cesser un petit espace de liberté, que vous respectiez ça, enfin voilà. On a ici le parchemin, donc on est bien dans la concrétisation. C'est quelqu'un qui a envie de concrétiser avec vous. Ok. On a encore la transformation, on a le papillon. Donc voilà, le papillon, il parle de se libérer des choses un peu anciennes, de se libérer des peurs, des craintes, d'avancer tranquillement, de transformer quelque chose, de faire évoluer aussi votre relation. Je pense que ce qu'il ressent pour vous, c'est un amour stable, c'est quelqu'un qui est fiable. Moi, j'ai la sensation, avec le 4 de terre, que c'est quelqu'un qui est vraiment fiable, sur qui vous pouvez compter. Ok, et qui en fait avance. Il faut juste lui laisser son rythme. Et ben voilà, on a le temps, l'argent. Donc on est bien dans quelqu'un qui construit quelque chose, qui a envie d'évoluer aussi, parce qu'avec l'argent, il y a quand même une notion de roue, hein, d'accord? Donc un peu la roue de fortune, même si c'est pas l'évolution, mais c'est quelqu'un qui compte. Alors, je dirais capitaliser votre relation, c'est-à-dire la faire évoluer, la faire grandir, la stabiliser, voilà, l'enrichir en fait. C'est vraiment quelqu'un qui a de bonnes intentions envers vous. Ce qu'il ressent pour vous, c'est quelque chose de très fiable. Vous pouvez compter là-dessus. Vous avez à la clé la joie. Vous avez, alors, le 4 d'épée. Et vous avez l'équité. Et moi, j'ai plus de place. Alors, je vais recadrer un tout petit peu. Vous allez voir mon genou, hein, je suis désolée. Alors, l'équité, c'est vraiment quelqu'un qui est dans l'équilibre, qui est dans la diplomatie, dans une envie de guérison. C'est quelqu'un qui est mesuré, en fait. J'ai l'impression que vous êtes avec quelqu'un qui pense à vous, qui pense au futur, mais il va y aller tranquillement, lentement, sûrement. Mais voilà, il a besoin de prendre son temps, ok? Il a besoin. Moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est travailleur. Le 4 d'épée, il nous parle de quelqu'un qui est un peu, alors je dirais pas solitaire, mais qui vraiment. Voilà, il parle. J'ai l'impression qu'il parle pas beaucoup. J'ai l'impression que c'est quelqu'un. Il me fait penser au signe du Bélier. Alors, je sais pas pourquoi, mais il me fait penser à quelqu'un. Bélier, Taureau, Capricorne aussi, mais. J'ai la sensation que c'est quelqu'un qui a. Comment dire? Vous pouvez compter sur lui. Peut-être qu'il ne vous dit pas tous ses sentiments, mais en tout cas, dans sa tête, c'est bien présent. Il a la pensée. D'accord? Il a la pensée tournée vers vous. Mais voilà, il ne vous dira pas tout de suite ses sentiments, mais vous pouvez compter sur lui. C'est le genre de personne sur lequel vous pouvez vous reposer. Mais il faut lui laisser le temps, il faut lui laisser le temps d'avancer. Il me fait penser aussi un peu au signe enfin, des Vierges. Voilà, c'est quelqu'un qui ne s'exprime pas beaucoup, okay, qui n'est pas tourné vers. J'ai pas l'impression que ce soit quelqu'un de romantique, mais c'est quelqu'un qui va vous prouver qu'il est là, qu'il vous aime, mais sans passer forcément par les mots. Il a besoin de temps. Lui, il est tourné vers la construction avec vous. Enfin, lui, elle, hein, la personne à laquelle vous pensez, avec qui vous êtes, elle est tournée vers la construction. Elle est tournée vers pardon, la transformation de votre relation. Vous avez quand même une, deux, trois cartes qui évoquent la transformation. Donc, il a vraiment. Moi, je pense ici que ces cartes sont capitales parce que elles évoquent. Quelqu'un qui pense au mariage, qui va transformer votre relation en union, ok, mais ça demande du temps. Alors oui, ça demande de l'argent. Si on prépare un mariage, forcément, ça demande un petit peu de capital. Et à la clé, il y a de la joie. À la clé, la transformation, la libération, elle va être positive, elle va être, comment dire, elle va vous procurer de la joie, tout simplement, beaucoup de bonheur. Vous avez ici, un message de la carte, je vous le relis à la lecture des cartes. Soyez l'un avec l'autre, tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Et moi, j'ai la sensation ici que cette personne, vis-à-vis de vous, elle sera toujours là. Vous pourrez toujours compter sur elle.
Elle est très bienveillante envers vous, elle vous protège, mais elle ne dit pas forcément ses sentiments. Et c'est peut-être ce que vous attendez d'elle, mais ici on vous dit que juste laissez aller, juste laissez-la faire ce qu'elle a à faire parce qu'elle le fera. Elle le fera de toute façon. Elle est dans la transformation, elle a envie de capitaliser votre relation, elle a envie de la faire évoluer. Il y a quand même, voilà, la transformation, elle a besoin de temps. Elle prend son temps avec le 4 de terre et la carte du temps. Mais à la clé, il y a beaucoup de choses positives. Il y a de l'équité aussi entre vous. Il y a un équilibre. Il y a vraiment. C'est quelqu'un qui est. Il est mesuré aussi. Enfin, elle est mesurée. Cette personne est très, très posée. D'accord? Moi, j'ai l'impression, ça me fait penser à quelqu'un qui a vraiment le regard droit, le regard tourné vers le futur, un peu comme l'empereur. Bah, d'ailleurs, il y a la carte, enfin, il y a le 4. Ici, vous avez un 4. Donc, c'est quelqu'un qui est dans la concrétisation avec le 4. 1 plus 3, 4. 1 plus 3, 4. Donc, voilà. Après, il y a, comment dire, il faut lui accorder du temps. Ok, mais vous obtiendrez, si vous êtes dans l'idée de vous unir avec cette personne, vous l'obtiendrez. D'accord? Il faut juste pas le bousculer parce que ça a l'air d'être quelqu'un qui est tranquille, qui prend son temps, qui jauge. Avec l'équité, on a quand même la notion de quelqu'un, et même le 4 d'épée, la notion de quelqu'un qui a besoin de méditer, qui a besoin des fois qui se met un peu en retrait. Peut-être que vous ne savez pas pourquoi il le fait. Mais c'est quelqu'un qui est toujours là, qui est là pour vous. Donc, c'est très positif. Franchement, il n'y a rien à redire. Il n'y a pas de carte qui pourrait laisser entendre qu'il fait ça parce que, il ne vous aime pas. Enfin, elle. C'est vraiment quelqu'un qui est stable, qui est solide, d'accord? Qui progresse. C'est pas, moi, j'ai pas la sensation que c'est quelqu'un qui fait un pas en avant, un pas en arrière. C'est quelqu'un qui fait un pas. Un stop, un pas, un stop, un pas, un stop. Mais vous allez vers la progression, vous allez vers l'union, vous allez vers vraiment la joie, la félicité, le bonheur à deux, parce qu'il y a aussi l'équité. Moi, ça me fait penser aussi au bonheur à deux. C'est quelqu'un qui a besoin de trouver sa place, qui a besoin de méditer, qui a besoin des fois, qui se met un peu en retrait, mais voilà, c'est dans le but de s'équilibrer. Vous avez ici avec l'archange Uriel l'idée d'une transformation, encore une transformation d'ailleurs, spirituelle. Et voilà, c'est quelqu'un qui est là avec vous, qui est vraiment présent. Il pense à vous, il pense beaucoup à vous. Il pense à signer aussi, à graver dans la roche, comme j'aime bien le dire. Mais il veut graver dans la roche votre relation. Il veut la faire évoluer. Elle. D'accord? La personne. Donc voilà. Franchement, c'est un super. Enfin, si vous avez fait ce choix, je suis contente pour vous. On va voir tout de suite ce que nous disent les cartes du tas numéro 2 pour la labradorite un peu plus foncée. Donc, la labradorite, c'est une pierre de protection que j'affectionne. C'est pour ça que j'en ai plusieurs. Enfin, les galets, voilà. C'est un peu ma collection. Alors, pour celles et ceux qui ont choisi le tas numéro 2, vous avez le pardon. Donc le pardon, arrête pardon, de concentrer ton énergie sur les événements passés, car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité par ce que tu penses, rêves et imagines. Donc ici, moi j'ai la sensation qu'il va falloir libérer des choses du passé, qu'il va falloir se concentrer sur cette personne en fait, ce qu'elle ressent pour vous. Peut-être que c'est alors soit du pardon. En tant que telle, soit elle vous pardonne des choses que vous avez faites dans le passé, ou alors elle vous demande, ce qu'elle ressent pour vous, c'est beaucoup d'amour, et elle vous demande de vous concentrer sur elle. Moi, j'ai la sensation que ça peut être les deux options. Alors, bonté, un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Je pense que cette personne, ce qu'elle ressent pour vous, on va voir avec les cartes. On va voir avec les cartes parce que j'ai la notion d'attente qui vient de flasher là dans ma tête. Alors oui, elle vous aime. Vous avez l'amour. Donc l'amour, c'est l'amour de soi, l'amour des autres, l'amour de l'autre. Donc là, avec le 12, c'est l'amour. D'accord? C'est vraiment ce qu'elle ressent pour vous. On va voir après son message. Vous avez la reine d'eau.
La reine d'eau, donc elle, enfin la personne dans ce qu'elle ressent, elle est compréhensive. Moi, j'ai la sensation que c'est quelqu'un qui vous attend, d'accord? Qui vous aime et qui patiente avec vous, qui se met à votre place. Peut-être qu'elle sait que vous n'avez pas encore réglé des choses du passé et elle est prête à patienter. On verra de toute façon. Vos relations atteignent un nouveau stade. Fiez-vous à votre intuition. Prenez soin d'autrui et de vous-même. Ici, on vous dit de toute façon que soit cette personne, elle est dans la guérison, elle est dans l'amour d'elle-même, peut-être qu'elle est tournée vers elle-même. Hein. Pour mieux vous aimer, elle a décidé de se tourner vers elle-même parce que elle a besoin de guérir de quelque chose. Ici, on a le pardon, la bonté, l'amour, la compréhension, la patience. Ça me fait quand même penser au pendu. Hein. Vous avez le 12, le pendu. Alors, on va voir. Alors ici, il y a deux cartes qui sont tombées, je les ai regardées, je découvre avec vous. Alors purification, purification des émotions, rajeunissement. C'est une personne qui attend que vous évoluiez, que vous évoluez, pardon. Elle attend qu'en fait, que vous fassiez quelque chose de concret, j'ai l'impression. Elle attend que vous fassiez une purification, que vous vous libériez vraiment des choses du passé. Voilà, pour renaître un petit peu, le rajeunissement, c'est aussi la renaissance. D'accord? C'est retrouver une deuxième vitalité, une deuxième vigueur. Enfin, voilà, et de peut-être de redevenir tendre envers elle. Moi, j'ai la sensation qu'elle attend quelque chose de vous. Libération. Rompre un attachement néfaste. Donc on est dedans. Moi je pense que cette personne, elle vous aime. Vous avez l'amour, vous avez la compréhension, la tendresse, la patience et tout ça. Et elle attend que vous vous libériez de quelque chose. Hein. Ça, c'est clair, net et précis. Elle attend vraiment que vous soyez. Elle attend en fait que vous vous purifiez. Elle attend que vous vous purifiez, cette personne. Elle attend que vous vous libériez des attachements du passé. Là, on a le consultant. Donc si c'est vous, monsieur, ou alors si madame, vous pensez à un homme, eh bien c'est lui qui est représenté. Je vais les mettre comme ça. Ouais, on a de la vigilance ici. On a de la vigilance. Moi j'ai la sensation que c'est quelqu'un qui vous attend. J'ai la sensation que c'est quelqu'un qui vous guette un peu. En fait, elle vous guette parce que elle attend que vous concrétisiez, enfin que vous libériez des choses du passé. Et elle attend, elle est là, elle attend. Elle attend un renouveau, elle attend le printemps. Alors peut-être qu'ici, il y a une séparation avec cette personne. Peut-être que vous vous êtes séparés, vous vous êtes éloignés. Peut-être que vous étiez en souffrance à cause de votre passé, que vous vous êtes séparés et qu'elle vous attend. Parce que il y a de l'accusation. D'accord? Donc il y a eu des échanges. Alors, je dirais pas vigoureux parce que vous avez l'examen derrière, donc il y a eu du pardon. Il y a encore cette notion. Pour moi, j'ai la sensation que vous vous êtes éloigné, qu'il vous a laissé vous éloigner, ou alors il s'est éloigné parce qu'il avait besoin de guérir du passé aussi. Hein, ça, j'exclus pas cette possibilité. Mais moi, j'ai vraiment la sensation que c'est quelqu'un qui vous attend, qui est très amoureux de vous. Cette personne, elle vous aime, ça c'est sûr. Vous avez la carte de l'amour, vous avez la bonté, vous avez en fait des qualités. Ici, enfin, cette personne, elle a des qualités elle, de vraiment, j'ai même la notion de sacrifice. Après, vous avez le roi d'épée et vous avez la science. Donc, c'est quelqu'un qui est cartésien, qui est instruit, qui a du charisme, ou alors vous. Vous êtes cartésien, vous êtes très charismatique. Et du coup, cette personne, elle attend que vous ayez fini d'étudier peut-être la situation, de vous purifier aussi, de faire ce qu'il faut pour vous purifier, d'accord? Ici, on est plutôt dans le. Moi, j'ai le cartésien qui me vient en tête, en fait. Le roi d'épée, c'est vraiment quelqu'un qui est puissant, qui est charismatique, qui a du pouvoir, qui commande, qui prend des décisions. Et peut-être que cette personne ici, peut-être que vous avez rompu un lien avec elle, enfin rompu un lien. Le lien, il est toujours là, mais peut-être que vous avez décidé de mettre de la distance avec elle.
et que du coup, ici, elle vous attend parce que vous avez des choses à faire, vous avez la libération, vous avez la purification. Et donc, elle est. Alors, je dirais, ici, j'ai pas tant la notion de vigilance. Ça dépend des tirages, ça dépend des guidances que je fais, mais ici, j'ai plus la sensation que c'est quelqu'un qui est un peu tapi dans l'herbe et qui attend que vous veniez vers elle. Moi, ce que je ressens, enfin, en fait, ce que je ressens envers cette personne, c'est qu'elle vous attend. Vraiment, c'est ce que j'ai dit depuis le début, elle vous attend. Elle attend. Il y a la séparation, mais pour moi, il y a une réussite derrière. Il y a le renouveau, la libération. Donc voilà, pardon, elle attend que vous fassiez ce que vous avez à faire parce que vous avez décidé que c'était comme ça. Et elle attend un geste de votre part. Elle attend un geste d'amour. Elle attend que vous vous pardonniez aussi. Elle attend que vous vous pardonniez ou que vous lui pardonniez. Vraiment, j'ai cette sensation que ici, elle étudie ou elle vous laisse étudier avec la science là. Moi, j'ai la sensation que le 4 d'épée, ça parle de vous. Okay. Et on a en signe astro, on a Gémeaux, Balance, Verseau pour les épées. Après, alors pour les signes astro, c'est plus en guidance privée que je vois avec les signes astro. Parce que j'ai un petit jeu de cartes exprès pour ça. Vous avez Cancer, Sagittaire. Voilà, Verseau, Bélier, etc. C'est vraiment pour avoir des précisions vraiment complètes que j'utilise en guidance privée. Alors, pour moi ici, vous me direz en commentaire hein, de toute façon, mais pour moi, ça parle de lui, enfin d'elle, de cette personne, de l'autre qui vous attend. Vous avez encore un travail à faire, mais elle est là. Hein. Elle est là, elle attend en fait. Elle attend. Et elle attend aussi, il y a la réussite à la clé. Pour moi, il y a un retour parce qu'il y a le renouveau, il y a le printemps. Mais elle sait que vous avez besoin de vous pardonner. Elle sait que vous avez besoin de revenir. Peut-être que vous avez vécu une épreuve du passé et ça vous a endurci. Et que cette personne est tombée sur votre chemin. Ou alors elle était déjà sur votre chemin. Mais en tout cas, moi, j'ai la sensation ici qu'elle attend plus de tendresse de votre part, parce que vous êtes trop dur envers vous-même et vous êtes un peu dur envers les autres. Et du coup, peut-être que vous vous sentez aussi coupable, pardon, avec l'accusation. Moi, j'ai la sensation ici qu'il y a eu des échanges. Peut-être que vous l'avez accusée de ne pas vous laisser de temps. Peut-être que vous l'avez accusée. Je sais pas, moi j'ai la sensation ici que c'était plus vous dans l'accusation. C'est pas lui qui vous a, enfin lui ou elle qui vous accusait, c'est plus vous qui étiez dans l'autodéfense. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Vous étiez dans l'autodéfense. Et du coup, cette personne n'a pas eu d'autre choix que de se mettre en retrait en fait. Vous, vous êtes mise en retrait par rapport à lui, mais voilà, elle est dans l'amour de toute façon. Il y a l'amour. C'est vraiment. Moi, j'ai tourné ce tirage en tirant les cartes. Je l'ai tourné. C'est vraiment ce qu'il, elle, ressent pour vous. Et c'est d'ailleurs. Enfin, ça va être le titre de la vidéo. Après, pour moi, ici, cette épreuve, enfin, ce que vous vivez là avec lui, avec elle. Ça va vous renforcer. Parce que la séparation, je pense que pendant votre séparation, il y a eu des mots échangés, il y a eu un peu d'accusations. Puis, je pense que vous avez pris le temps d'étudier, ou il vous laisse, elle vous laisse le temps d'étudier. Le temps, peut-être aussi, moi avec le roi, j'ai la sensation de réussite. C'est-à-dire qu'elle vous laisse réussir ce que vous avez à faire. Vous avez une purification à faire, une libération du passé. Vous pardonnez aussi. Ok? Et vous allez endosser l'énergie du roi d'épée pour vous libérer, pour couper les liens toxiques, pour vous purifier et pour être dans l'amour. Ici, cette carte, je vais axer. Pour moi, elle rêve d'amour. Pour moi, elle rêve d'un amour avec vous, d'un amour.
enfin, qui renaissent en fait. C'est vraiment. Je pense qu'elle sait que votre amour mérite une seconde chance. Là, ce qu'on vous demande, ou ce qu'elle vous demande, c'est d'arrêter de vivre dans le passé. J'ai pas pris le haut chosen, mais voilà. Je pense qu'elle vous demande d'arrêter de vivre dans le passé, d'accord? De vous apprécier, de redevenir enfin, la personne dont elle est tombée amoureuse, en fait. Et du coup, de prendre le temps de vous aimer, de vous ressourcer, ici avec ces cartes, d'accord? Vous avez. Prenez le temps de vous aimer, d'ouvrir votre cœur, en fait. Voilà, parce que pour moi, vous l'avez refermé ici. Avec ces deux cartes, vous l'avez refermé, votre cœur. Il y a eu une séparation, il y a eu une accusation, peut-être une accusation aussi qui vous a séparé. On peut lire aussi les cartes comme ça. Hein. Ok. Peut-être qu'elle regrette de vous avoir dit que vous étiez toujours tourné vers votre ex, alors que vous, c'est pas le cas, mais vous avez encore des choses à guérir par rapport à votre passé. Et du coup, maintenant, elle attend de voir ce que vous allez faire, c'est-à-dire guérir, être plus. Alors, j'ai envie de dire gentille avec elle, avec lui. Mais voilà que vraiment, moi, j'ai une sensation de douceur à travers ces cartes. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a envie d'expérimenter un amour, comment dire, qui est doux. OK? Mais pour l'instant, vous étiez. Pour moi, vous étiez dans l'autodéfense, dans la vigilance par rapport à cet homme. Et cet homme, lui, il est en attente, il guette, il attend. Vous me direz en commentaire. Alors, si vous avez besoin de précision parce que ça vous a parlé, n'hésitez pas à me laisser un message sur mangofaitdutarot@gmail.com. On discutera ensemble pour une prise de rendez-vous, pour une guidance privée. Je ne fais plus, comme j'ai expliqué dans une précédente vidéo, de tirage gratuit, tirage d'une carte, carte conseil par rapport à la vidéo. Parce que voilà, j'ai vraiment plus le temps et je veux faire des choses de qualité, donc je prends le temps de les faire. La semaine prochaine, donc semaine du 15, 16, 17, vous aurez des vidéos, donc progressivement, à mon rythme, par rapport à la pleine lune. Ça va être très intéressant de voir si on entérine les choses de la nouvelle lune du 2 juillet et on va voir ce que nous procure cette pleine lune. Surtout que. Il va y avoir une éclipse partielle et que ça va être dans le signe des Capricornes et qu'il y a une notion de travail, d'accord? Donc, j'ai pas encore tous les effets, je commence à un peu percevoir des choses par rapport à ma situation d'abord et puis par rapport à plein de choses. Donc, on fera le point la semaine prochaine sur les énergies de la pleine lune. Voilà. En tout cas, j'espère que ça vous a parlé, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me contacter, ok? Voilà, d'ici là, je vous souhaite un très très beau week-end parce qu'on est vendredi et que reposez-vous bien, purifiez-vous. Si vous êtes dans ce tas, purifiez-vous. Si vous êtes ta numéro 1, laissez-lui un peu de temps parce que c'est quelqu'un qui va de toute façon vous apporter beaucoup de choses. Je vous fais beaucoup 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 de bisous et je vous dis à très vite. Bye!